Radio, c'est l'heure des petits loups. Coucou, coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisies. Vos petites oreilles sont prêtes? Alors, c'est parti! Aujourd'hui, une histoire de Valérie Bonenfant, qui accepte toujours aussi gentiment à ce que je partage ces histoires avec vous. Et aujourd'hui, c'est l'histoire du ballon-vol. Ballon-vol était un ballon au service des enfants. Il adorait se promener avec eux, flottant dans les airs, juste retenu par une ficelle. Cela sentait bon la pomme sucrée, cela vivait dans les manèges, cela vibrait de couleurs chatoyantes. Et les rires d'enfants étaient merveilleux. C'était la fête. Cela plaisait tellement à Ballon-Vol que jamais il ne s'était un tant soit peu dégonflé. Et chaque fois que par mégarde on se lâchait s'envoler, certes, il montait au ciel, mais redescendait bien vite chez son marchand de ballons de la fête foraine. Un jour, il rencontra Johanna, une jolie petite fille toute de rose vêtue. Cela tombait bien, il était fuchsia, d'un ton légèrement plus accentué que ses vêtements. L'enfant pleurait à chaudes larmes quand elle se présenta sur le stand. Eh bien alors, que lui arrivait-il à cette poussinette? Mais avec de jolis yeux comme ça, elle ne pouvait pas pleurer. Allez, petit cœur, sèche-moi ces vilaines larmes. Nous sommes à la fête foraine, tu vas voir, tu vas bien t'amuser, lui dit Ballon-Vol en le caressant doucement de sa peau. Tu sais, je connais tous les manèges par cœur. Je pourrais te guider si tu veux, continua-t-il. La chenille au wagon vert, qui se promène au milieu d'énormes champignons multicolores, et aussi le train fantôme, si tu n'as pas trop peur des araignées et des tunnels tout noirs. Et encore, le labyrinthe des glaces, celui où seuls les malins trouvent la sortie. Ah, et quelque chose qui devrait te plaire particulièrement. Le trampoline qui permet d'aller toucher le ciel avec ses doigts. L'enfant réagit, les yeux pétillants de lumière mouillée. Elle saisit la petite ficelle de Ballon-Vol. En route, mauvaise troupe, lance alors celui-ci joyeusement. Les voilà tous deux en train de déambuler dans la fête. Des larmes ne restaient que quelques traces déjà bien sèches. Alors voici la chenille au wagon vert, lui présenta le ballon. L'enfant s'installa, sourit et se laissa emporter vers les champignons. Dans le train fantôme, elle osa son premier cri d'excitation. Puis, direction le labyrinthe des glaces, où elle s'amusa et rit tout son sou. Enfin vint le trampoline. L'enfant leva les yeux vers le ciel avec un grand sourire heureux. Elle sauta de plus en plus haut, avec de plus en plus d'élan, ses petits bras levés vers le ciel. C'était qu'elle voulait le toucher, la toucher, cette grande immensité bleue. À chaque fois, Ballon-Vol s'envolait avec elle. Mais la petite s'énervait. Allons bon, voilà qu'elle allait se remettre à pleurer de rage de ne pas pouvoir atteindre son objectif. Mais ma puce, le ciel n'est pas une matière consistante. Ce n'est pas comme si tu touchais une étoffe, tenta de la calmer le ballon. Mais la petite s'entêtait. Elle multipliait ses efforts, se propulsait dans les airs, telle une fusée. Quelle détente! Ballon-Vol ne revenait pas. Bigre, si elle continuait, elle n'allait pas être loin de toucher les nuages. Alors il décida de l'aider un peu à réaliser son rêve. Il n'était pas un ballon pour rien. Accroche-toi, petite. Au prochain saut, je t'emmène. Atterrissage, pliage des genoux, décollage et hop, c'était parti. Le ballon s'envola dans le ciel, emportant l'enfant accroché à sa ficelle. Celle-ci voyagea dans les airs, traversa les nuages et atteint enfin le grand bleu, le pur, celui où même les traces des avions n'existaient pas. Tenant Ballon-Vol d'une main, Johanna ouvrit son autre bras à l'espace, embrassant cette immensité bleue qui l'entourait de toutes parts. Quelle joie! Quel bonheur! Rien de plus merveilleux ne pouvait exister. Elle vola ainsi de longs moments, le sourire comblé, toute la lumière du ciel dans les yeux. Puis vint le temps de retour sur terre. Prépare-toi, Johanna, nous allons redescendre sur le trampoline. Ce voyage sera notre secret à tous les deux. Garde-le précieusement dans ton cœur, et quand tu auras un chagrin,
une contrariété, rappelle-toi de ces moments-là. Et par magie, tous tes soucis s'effaceront. L'enfant sourit. Oui, Ballonvol avait raison. Elle était habitée maintenant d'un bonheur qui remplissait son être pour toujours. « Merci, Ballonvol, je n'oublierai jamais !» lui dit-elle, en lui déposant un baiser qui le fit rosir davantage de plaisir. Johanna revint de temps en temps à la fête. Elle croisa Ballonvol au bras d'autres enfants. Un sourire complice échangé, un clin d'œil d'amitié. Le bonheur était toujours en elle. Devenue maman, Johanna emmenait son petit homme promener au bras du Ballonvol, ce qui l'enthousiasma, le train fantôme. Et voilà, cette histoire est finie. À bientôt les petits loups pour une nouvelle histoire.